Salut! Je cherchais une solution depuis pas mal de temps pour avoir une aspiration et en même temps voir l'outil tourner. C'est pour moi, mais c'est aussi pour vous, pour qu'on voit ce qui se passe un petit peu. J'avais dessiné un petit machin, mais j'ai pas d'imprimante 3D. Très gentiment, Axel de Helios Lab m'a proposé de l'imprimer. Je lui avais fait un petit crobar de ce que je souhaitais et le résultat est absolument génial. C'est épais, ça fait 3 ou 4 mm, peut-être même 5 mm d'épaisseur. Elle a dû y passer pas mal de bobines et pas mal de temps aussi. Donc merci beaucoup Helios, c'est vraiment hyper sympa et ça marche hyper bien. J'ai réfléchi à un petit cadeau pour la remercier et j'ai réussi à avoir quelques infos de cette nana qui est un petit peu secrète. Elle aime bien faire de la plongée, elle aime bien faire de la plongée en Martinique. Je vais donc lui faire la montagne pelée en 3 dimensions avec les strates qui correspondent aux courbes de niveau. J'ai un petit peu simplifié le dessin parce qu'il est quand même relativement complexe et j'ai voulu faire ça avec une fraise de 1/8 de pouce. Le premier essai est pour l'instant un échec, il me reste une petite tranche ici pour y arriver. J'ai refait des parcours d'outils. La principale difficulté c'est que je veux finir avec un outil comme ça de 3/8 de pouce qui n'arrive pas à aller chercher tout au fond. Il se cogne sur le bord, il se cogne sur les différentes montagnes, les différentes falaises et tout ça. Donc il faut dégrossir le travail avec une grosse fraise de 8 mm et ensuite repasser et faire une passe de finition avec celui-ci. Le premier essai, ça m'a commencé par m'effacer une des deux montagnes, donc ça va pas du tout. On va recommencer avec le nouveau parcours d'outils et si tout va bien, ça va marcher. Les 5 autres côtés de la boîte, ils sont là, avec du frêne et du valchromate que j'ai préparé. On va d'ailleurs commencer le film avec la préparation de ces différents éléments. C'est assez rapide, c'est vite fait. Et puis ensuite, il y aura la découpe de ça avec une fraise qui permet de faire du folding. Thank you.
Voilà, j'ai dégrossi le travail avec cette fraise de 8 mm et maintenant je vais passer avec une fraise de 1/8 de pouce, c'est-à-dire 3,17 mm, pour faire tous les petits recoins à l'intérieur. Sur le fichier avec les courbes de niveau, j'ai simulé le diamètre de la fraise avec un petit rond qui est légèrement plus gros que ce diamètre de fraise pour essayer de le faire rentrer dans tous les petits creux du terrain et des vallées et des choses comme ça. Le sommet du volcan, il va être un peu arasé. Là, on va descendre d'à peu près 2 mm pour finir à peu près comme ça. Pour le coup, je ne vais pas mettre le capot que m'a fait Axel. Il y a des chances qu'il tape là et puis il y a beaucoup de chances qu'on n'y voit rien du tout. Donc, il s'enlève et on va faire ça, comme avant, quoi. Mais il y a assez peu de copeaux, donc ça devrait être tenable. Bon, c'était un peu rapide, hein, mais bon, ça l'a coupé quand même. Il reste des petites tables pour le tenir en place, heureusement. Et voilà, sur le côté, là, il va y avoir la petite poignée pour attraper le couvercle de la boîte, pour pouvoir ouvrir la boîte. C'est quand j'ai vu partir le truc à toute vitesse, et j'ai pris un peu peur, et ben, finalement, ça s'est bien passé. Donc voilà un bout de valchromate de 8 mm avec 4 mm de frêne collé dessus. Je vais faire 4 rainures avec cette fraise à 45 degrés pour permettre le pliage de la boîte. Normalement, je laisse 0,2 mm de frêne pour faire le pliage. Je verrai bien si ça passe à travers, si ça passe pas à travers. De toute façon, j'arriverai à le rattraper. Mais voilà, ma principale préoccupation, c'est de savoir si une fois que j'ai fait cette découpe, tout va pas se barrer en 1000 morceaux. On verra. Allez, en avant.
Allez, je vais nettoyer ma colle qui est au fond là. Merci Axel pour cette impression qui est absolument fantastique, qui remplit parfaitement ses fonctions. Elle est nickel. Je t'avais dit de mettre ton logo sur la face là, mais tu l'as oublié. Donc je pense qu'un autocollant ça va pas coller. Donc l'autocollant, je l'ai mis là. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Et j'espère que cette petite boîte qui est maintenant toute cirée, elle va te plaire. Essaye d'enlever, je ne vais pas t'envoyer trop de poussière. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous mets le lien là-haut vers la chaîne et l'univers d'Heliox Lab. Axel, c'est une nana que je connais un tout petit peu. On s'est rencontrés sur des salons, sur Maker Faire Paris par exemple, et puis deux, trois autres fois. Moi, j'aime beaucoup son univers qui est relativement simple. Elle ne se prend pas le chou, elle ne fait pas des effets de manche comme certains peuvent le faire. Et c'est, voilà, c'est simple et chouette et efficace. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne. On va se retrouver quant à nous pour la suite de la caravane. Si les températures remontent un petit peu, là on a à peine 10 degrés dans l'atelier et il faudrait 10 degrés en tout cas pour la deuxième couche de peinture. Pour le dessus, enfin voilà, il y a un certain nombre de conditions qui ne sont pas tout à fait remplies pour la peinture. Je vais mettre le chauffage cette nuit dans l'atelier. Enfin, ça va chauffer toute la nuit, donc je reprendrai demain matin avec un peu plus de chauffage et peut-être que j'arriverai à avoir les fameux 10 ou 12 degrés qu'il faudrait. C'est pas facile parce que cette nuit il va faire autour de moins 10, il y a de la neige, donc je sais pas encore quand je vais pouvoir sortir la caravane. J'ai pas envie de faire ça honnêtement en mode sport d'hiver, voilà, ça viendra un de ces quatre. D'ici là, je vous souhaite, on va dire une joyeuse année, on va souhaiter une meilleure année 21 que l'année 20, et donc voilà, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, merci.